Guide complet des défis adoubés, partie 3. Le premier défi va vous demander d'interagir avec un brasier holographique. Donc les brasiers, ils sont ici à la citadelle. Il y en a 3 emplacements, là où vous voyez les 3 points d'exclamation. Moi, je vais aller à celui qui est juste en dessous de moi. Donc, juste ici. Ok, donc le brasier est juste là. Vous interagissez avec pour enclencher la deuxième mission. Ensuite, vous allez devoir installer les équipements technologiques à la citadelle. Donc vous allez en plein milieu de la citadelle, hein. Juste ici, vous avez un point d'exclamation. Voilà, juste devant la citadelle. Et là, vous allez en dessous de l'escalier. Et juste ici, vous avez 2 objets à installer. Donc, vous installez les 2 objets pour terminer la deuxième étape. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver la fiche électrique. Donc, c'est pareil, hein, c'est à la citadelle. Donc, il y en a une ici et il y en a une là-bas. On va aller à celle-ci parce que j'y suis le plus proche. Donc, il faut que je remonte en haut. Ok, donc le câble se trouve juste derrière le mur. On va casser le mur. Et on va récupérer le câble pour terminer la troisième étape. Ensuite, il faut insérer la fiche dans la prise électrique. Donc, on va retourner là où on était juste avant, où on a installé les 2 objets. Voilà, juste ici en dessous de l'escalier. Et là, on installe la fiche dans la prise. On s'y veut bien par contre. Voilà, parfait. Et là, on a terminé le premier défi. Ensuite, vous allez devoir réinteragir avec un brasier holographique. Donc, il y en a 3. Il y en a un en ville square, il y en a un ici et il y en a un là-bas. Donc moi, je vais à celui d'en ville square parce que je suis juste à côté. Et le brasier est juste ici, donc juste à côté du lac. Hop, vous interagissez avec pour terminer la première étape. Ensuite, vous allez devoir installer des extracteurs. Donc regardez juste ici. Donc il y a 3 extracteurs. Il y en a un à Brutal Bastion, à Faulty Split et à Shattered Labs. Moi, je suis à Brutal Bastion. Juste ici, donc installer cet objet pour terminer la deuxième étape et terminer le défi. En fait, il faut installer un extracteur aux 3 emplacements. En fait, je croyais qu'il fallait en installer qu'un seul. Maintenant, il faut en installer 3 au total. Donc là, je me dirige vers Faulty Split pour essayer d'installer le deuxième. Voilà, qui est juste ici. Hop. Et maintenant, je vais aller à Shattered Labs pour installer le troisième. Et voilà, quand vous aurez installé les 3 extracteurs, bah là vous aurez terminé le défi. Ensuite, vous allez redevoir encore une fois interagir avec un brasier holographique. Donc il y en a 3, hein, à la citadelle et près de Breakwater. Donc, moi je vais interagir avec celui-là, voilà, qui est juste ici. Comme ça, je termine la première étape. Endommager des structures métalliques pour obtenir des fragments d'alliage. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des murs métalliques ou voire même des constructions adverses métalliques pour obtenir des objets d'alliage, donc comme ceci. Donc là, hop, j'en ai obtenu 2. Je sais pas s'il faut que j'en obtienne 5. Donc on va encore en casser. Tout ce que vous voyez de métallique, vous les détruisez, comme ça vous obtenez de l'alliage. Et dès que vous aurez récupéré 5 alliages, ben vous aurez terminé la deuxième étape. Alors ensuite, vous allez devoir placer l'alliage sur un brasier. Donc il y a 2 emplacements possibles. Il y a Faulty Split juste ici et il y a Breakwater Bay. Moi, je vais aller à Faulty Split. Ok, donc le brasier est juste là. Donc c'est parfait. J'interagis avec. Et là, je termine la troisième étape. Ensuite, la quatrième étape va vous demander de placer l'alliage chauffé sur une enclume. Donc là, vous avez placé l'alliage. Vous l'avez chauffé. Maintenant, vous le placez juste à côté. Donc à Faulty Split ou alors à Breakwater. Et là, vous terminez la quatrième étape. Ensuite, la cinquième étape va vous demander de raffiner l'alliage en le frappant avec l'outil de collecte. Donc bah là, bah, vous avez juste à prendre votre pioche et à taper sur l'alliage plusieurs fois, je pense 5 fois. Voilà, et quand vous aurez terminé le défi. Ensuite, il faudra réinteragir avec un brasier holographique. Donc, il y a 3 emplacements possibles. Il y a juste ici où je suis, il y a en haut à droite et il y a à Lonely Labs. Donc moi, je vais interagir avec celui-ci pour terminer la première étape. Révéler un joueur avec un faucon de reconnaissance et obtenir son plan. Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra un faucon de reconnaissance. Donc si vous rendez ici près du personnage rebelle, et bien là vous pourrez acheter le faucon de reconnaissance pour 250 lingots d'or. Donc c'est ce que je vais faire, boum. Et maintenant je vais devoir chercher après un adversaire pour le localiser. Donc ça tombe bien, il y en a un tout près de moi. Ok, il est juste là. Je lance mon faucon et là je le localise tout simplement en le visant. Et normalement, je vais pouvoir obtenir son plan, je suppose. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, je sais pas pourquoi, mais en Battle Royale avec construction, je pouvais pas révéler. La touche révéler des adversaires n'était pas disponible. Donc, j'ai été en mode sans construction. Et là, je peux révéler les adversaires en appuyant sur R2 avec mon drone, mon faucon de drone de reconnaissance.
que soit c'était, j'ai changé de manette aussi, mais je sais pas pourquoi, dans mon autre partie, je ne pouvais pas interagir avec la touche. Donc là, maintenant je peux. Vous avez vu, j'ai scanné l'adversaire. Quand j'ai scanné l'adversaire, il y a eu un plan qui est tombé de l'adversaire. Donc là, je vais juste récupérer le plan. Et quand vous aurez récupéré le plan de l'adversaire, bah là, bah il est où? Ah ouais, j'ai pas été assez vite. Ok, faut que j'aille plus vite. Ok, bah on va relancer le drone. Hop. On va faire un scan. Il est où? Il est là. On fait un scan. Le plan est tombé. On rappelle le drone et on va vite monter tout en haut pour essayer de le récupérer. Ok, voilà. Donc là, quand vous aurez récupéré le plan, vous aurez terminé la deuxième étape. Pour le troisième défi, vous allez devoir endommager un bouclier du gardien lancé au sol pour obtenir une puce. Donc je ne sais pas si on peut le faire soi-même, donc on va essayer. Hop, je le lance. Ensuite, je tire dans le bouclier. Et oui, ça fonctionne. Donc vous récupérez une puce et vous aurez terminé la troisième étape. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'activer le programme de construction corporelle d'Ami. Donc c'est juste ici au-dessus de Lonely Labs. Voilà, dans ce bâtiment-là. Donc vous rentrez dans le bâtiment et ensuite vous interagissez avec l'objet pour terminer l'entièreté des défis. Code créateur.